Et là, on peut voir que sur le pont, les deux sens sont séparés et ça nous permet de passer sur l'autoroute, donc au péage nord de Toulouse. Alors, je pense que là, il faudrait revoir le pont parce que c'est pas du tout adapté. C'est pas du tout adapté vélo pour du réseau express vélo. Et là, on se retrouve, les deux sens se retrouvent refusionnés. Là, nous arrivons sur Aucamville. Et là, nous n'avons plus rien. Et on se retrouve mixé soit sur la route, soit sur le trottoir. Pour au final retrouver la piste ici. Donc là, il y a vraiment un manque de continuité. Il faudrait bien revoir ce rond-point là pour que ça se connecte bien les deux bouts. Et également revoir le passage sur le pont qui passe plus de l'autoroute. Donc là c'est vraiment ce qui vient d'être livré récemment. Donc on voit que c'est assez large. On a un trottoir piéton bien visible, bien clair. Et nous continuons sur l'avenue Salvador Allende. Alors par contre, on ne voit pas les deux sens. Bon, vu la largeur, on sait qu'il y a les deux sens, mais il faudrait peut-être clairement les identifier. Et surtout bien identifier que c'est du cyclable.